Bonjour, c'était il y a un an. C'était il y a un an, puisque c'était le 26 mai. Vous nous accordiez votre confiance et vous placiez la liste conduite par Jordan Bardella avec Marine Le Pen en tête des élections européennes en France. Un an est passé. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre confiance. La confiance que vous m'avez accordée, ainsi que les 23 membres de notre liste qui, aujourd'hui, siègent pour vous défendre au Parlement européen. Depuis un an, nous n'avons pas chômé. Depuis un an, en réalité, nous avons respecté nos engagements en étant intransigeants sur les intérêts de la France chaque fois qu'ils étaient en jeu dans ce Parlement. Quelques victoires que je peux vous citer. La stratégie de M. Macron pour mettre Mme Goulard, qu'il n'avait pas voulu au gouvernement français, qui était financée par un think tank américain comme commissaire européen, nous l'avons mis en échec, elle a été battue. Quand la gauche a voulu faire passer une directive pour favoriser les organisations de passeurs, nous les avons mis en échec. Je vous rappelle qu'il y avait à peine 2 ou 3 voix d'écart. Grâce à nos votes, ils ont été battus. Et d'autre part, le Brexit a enfin pu être mis en place parce que, grâce à nos votes, là aussi, la volonté du peuple britannique a été respectée. Nous nous battons aujourd'hui aussi pour que nos grands principes soient pris en compte. Le respect de nos frontières, l'opposition à tout élargissement, chaque fois que l'occasion est là, nous le rappelons que nous sommes contre l'élargissement à la Turquie, contre l'élargissement aux Balkans, et puis aussi la fin de ces nouveaux traités de libre-échange ou de ces renouvellements de traités de libre-échange. Là encore, l'Union européenne essaye de signer, par exemple, en ce moment avec le Mexique, ce qui mettra gravement en danger nos agriculteurs. Voilà, nous avons tenu nos engagements, nous tiendrons nos engagements dans les années à venir. Merci de votre confiance et sachez que pour défendre la France, nous serons toujours au premier rang à Bruxelles ou à Strasbourg.